Une gare de province dans le Cher ou dans le centre de la France, où le vent charrie la poussière et quelques souvenirs d'enfance. Je relis encore ton message. Papa cette fois a pris le large. Maman l'attendait sur la plage depuis 2 ans, gentiment, patiemment. On aurait pu se voir plus tôt et pour une occasion plus gaie. T'es sûrement très prise au boulot. Moi je suis toujours saisonnier. Ton fils à l'âge que tu avais, quand tu fréquentais ce garçon, comment c'était déjà son nom? Tu t'en souviens? T'as oublié? Ça t'a marqué? On va passer à la maison. Si tu veux garder quelque chose, je donnerai un coup au gazon. Tu feras un bouquet de roses. Nous irons ensemble au cimetière. J'ai fait comme t'as dit pour la pierre. Papa disait juste les noms. On n'enterre pas Napoléon, ni le roi des cons. Possible, il faudra vendre la maison de retraite, la ruiner. Déjà que la vie n'était pas tendre, et même mort, ils vont payer. Il reste ce morceau de terre, arrosé par la sœur, le frère. On n'a jamais rien vu pousser dans ces allées que tes regrets. Faut pas pleurer. Gare de province dans le Cher ou dans le centre de la France. Gare de province dans le Cher. Gare de province dans le Cher ou dans le centre de la France. Gare de province.